Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui triple avis, on va parler de ces trois films Unthinkable, The Eagle Has Landed et Widows. Donc voilà, j'ai, comme d'habitude, hein, j'ai filmé chaque avis juste après le visionnage. Je vous fais un mix et on se retrouve juste après. C'est parti. Alors, je viens de finir de regarder Unthinkable. Donc le titre en français, c'est No Limit. Donc c'est avec Samuel L. Jackson et Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss qui est Trinity pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est l'histoire, je vais vous faire l'histoire brièvement. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un terroriste, alors évidemment un terroriste musulman, qui a placé trois bombes aux États-Unis, dans trois grandes villes. Et donc il est enfin arrêté. Et donc après, c'est son interrogatoire, en fait. Et évidemment, unthinkable, donc impensable, hein, la traduction, on se doute que Samuel L. Jackson joue le rôle d'un mec qui va poser des questions d'une manière pas très, très, très amicale. Et donc, ça parle de ça, en fait. J'avoue que la fin, j'y suis resté un peu sur ma faim à la fin. Et voilà, sans mauvais jeu de mots. Mais... En y réfléchissant, enfin, je me suis assis 2 minutes devant le générique. Je suis resté, 2 minutes à réfléchir, à me dire merde, mais ça se finit comme ça. Mais est-ce qu'après le film, malgré tout, voilà, il manque un truc à la fin. Non, je vais pas en raconter plus parce que j'ai pas envie de spoiler, bien sûr, mais il manque un truc à la fin, à mon avis. Mais malgré tout, l'histoire est assez intéressante. Elle permet de se poser quelques questions sur qu'est-ce qu'on serait capable de faire pour sauver des vies, parce qu'évidemment, le mec menace. De tuer des dizaines de millions de gens. Donc, qu'est-ce qu'on serait capable de faire pour éviter cela? Donc, voilà. Donc, ça reste quand même assez intéressant. J'ai mis 6 sur 10. Parce que, voilà, c'est pas un très grand film. Mais c'est quand même un film intéressant. Et donc, il faut le voir. Donc, voilà. Film intéressant à recommander, à voir. Hein, si vous connaissez pas ce film. Samuel L. Jackson joue très bien. Carrie Ann Moss aussi. Je vais brièvement parler de la qualité du film. Alors, niveau sonore, hein, il y a beaucoup de dialogues. Il n'y a pas grand chose à signaler. Par contre, niveau image, j'étais parti sur une agréable surprise du fait de voir qu'il était en 1.85:1. Donc, traduction, il prend... la quasi-totalité de votre écran 16:9, ce qui est rare, parce que d'habitude, on a ces putains de barres noires qui font chier. Bon, là, c'est des mini-barres noires, donc le format full screen, c'est 1.78:1, et là, c'est 1.85:1. Sachant que les barres noires, c'est 2.35:1, donc ça vous laisse une idée à peu près de jauge. Et là, donc, 1.85:1, donc très bien. Par contre, il est granuleux. Il est propre, hein, mais propre granuleux. C'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de grains, à part quand on est sur des visages de très près, où là c'est très propre, c'est pas exceptionnel mais c'est propre, le reste du temps il y a du grain, c'est un truc de fou, enfin bref, j'ai été un petit peu déçu, mais c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir le full screen. Regardez le générique, il part du bas de l'écran et il arrive en haut, alors que d'habitude on perd bien 30% de la capacité de l'écran, en tout cas en hauteur. Donc voilà, donc ça c'était mon avis sur Unthinkable. Alors, je viens juste de finir de regarder Widows. Ce que je ne savais pas, c'était que c'était une adaptation d'une série des années 70-80, je crois, un truc comme ça. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Il a quelque chose d'assez... attachant, c'est pas le bon mot, mais il a quelque chose de percutant. Et il vous attrape aux tripes dans l'histoire, vous êtes accroché. Alors c'est pas une grande histoire, hein. L'histoire c'est widows en anglais, ça veut dire les veuves. Et du coup ça raconte l'histoire de ces trois femmes qui ont leur mari qui en fait était des gangsters et qui décèdent lors d'une opération parce qu'ils travaillaient ensemble ces maris là. Et donc l'histoire c'est une fois qu'elles ont que les maris sont décédés, au final, ils ont laissé une dette sur leurs épaules et c'est aux femmes de payer cette dette-là, sinon elles vont se faire buter. Donc le bad guy, il leur laisse un mois pour régler la dette. Et donc elles vont essayer de faire un casse prévu à la base par leur mari pour payer cette dette-là et pour sauver leur vie, en fait. Et c'est cette histoire-là. Et il se trouve qu'on s'attache énormément... au personnage, donc je disais pas trop, c'était pas le terme attachant, mais l'histoire, voilà, les personnages sont attachantes pour le coup,
Et c'est vraiment intéressant de... C'est un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude, même si l'histoire, on va dire, est plus ou moins classique. Et franchement, c'est pas mal. Alors, je sais pas, je pense que je vais mettre un bon 7, parce que ça mérite pas un 8, mais c'est mieux qu'un 6. Du coup, vous avez fait les maths, hein? Pas 8, mais pas 6, bah 7. Ouais, je sais, je suis un mec des maths. Je vais mettre un bon 7 parce que c'est un bon film, on s'y attache, on s'agrippe à l'histoire et on est haleté jusqu'au bout et c'est vraiment top. Enfin, moi, je me suis régalé. On va parler de la qualité parce que c'est un 4K, donc du coup, je vais faire un comparatif rapide avec le Blu-ray. Alors, je viens de mettre le Blu-ray dans le lecteur, j'ai fait un petit comparatif. Franchement, ça vaut pas du tout l'upgrade parce que déjà, le 4K pour moi était déjà une grosse déception. Parce qu'au niveau des couleurs, il était un peu sombre, mais ça allait à peu près. Il est pas en Dolby Vision, il est qu'en HDR10 plus. J'avais été quand même pas mal déçu de cette qualité très granuleuse. Le Blu-ray est quasi aussi bien. Pourtant, c'est un Master 4K. Je crois que c'est le premier Master 4K qui me déçoit autant. En tout cas pour un film récent, hein, parce qu'il y a des Master 4K de vieux films qui sont bofs, mais bon, c'est peut être explicable par le fait de l'ancienneté du film, mais pas dans ce cas-là, c'est un film de 2018, je crois. Donc bon, il aurait dû être bien, bien meilleur que ça. Donc voilà, bon, il n'est pas dégueulasse. Encore une fois, des 4K dégueulasses, ça n'existe pas par rapport à un DVD dégueulasse, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais pour un 4K, je m'attendais vraiment à mieux, je suis un peu déçu. Voilà, ben, c'était mon avis pour Widows. Alors, je viens juste de terminer The Eagle Has Landed. Donc, c'est un film de guerre, hein, sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un film anglais. Il est bien. Alors, j'ai vu la version longue. Pour le coup, elle est un petit peu trop longue. Je recommanderais la version courte pour le coup. Enfin, la version longue, c'est 2h25. Version courte, c'est 2h15. Hein, donc, c'est pas non plus énorme, mais c'est toujours ça de prix. Donc, pour une fois, on va se placer du côté allemand dans un film. C'est assez rare pour le signaler. Et c'est l'histoire donc d'une mission. Qui a pour objectif de capturer, et non pas d'assassiner, de capturer Winston Churchill. Et donc, c'est des parachutistes allemands qui sont donc parachutés en Angleterre pour essayer de négocier un traité de paix, alors que les Allemands sont en train de perdre la guerre. Hein. Ça se passe en 1943. Donc voilà, c'est cette histoire-là. Alors, il y a certaines personnes qui vont trahir, hein, des Irlandais, des Anglais, tout ça, qui vont être du côté allemand. Et donc, on essaye de se placer dans ce film du côté allemand de la chose. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que c'est des acteurs anglais, tous. Et le film est, je l'ai vu donc en anglais, en version originale, puisque c'est un film anglais. Et c'est bizarre parce que c'est des acteurs qui donc parlent pas allemand. Alors, ils parlent avec un anglais, avec un accent allemand, certes, mais ça fait pas très réaliste. Il aurait mieux valu des acteurs allemands, ou alors, quitte à ce qu'ils apprennent l'allemand, qu'ils parlent allemand, parce que ça, c'est pas logique. Les mecs, ils parlent tout le temps anglais, même entre eux, c'est pas normal. Donc, ça fait un peu bizarre. Et puis, surtout, par moments, quand ils rencontrent d'autres personnes aussi, il y a quelque chose, c'est important. Parce que quand un Allemand veut se faire passer pour un Anglais qui parle anglais, c'est une chose, mais après, il faut pas avoir d'accent. Et ça se remarque assez, c'est assez flagrant, hein, dans la réalité des choses. Bon, là, certes, c'est un film, mais c'est pour faciliter les choses qu'il parle en anglais. Mais bon. Ouais, donc, ouais, j'ai pas trouvé l'histoire. Bon, l'histoire est intéressante, mais je l'ai pas trouvé énorme. Je vais mettre 5 sur 10. Voilà, c'est pas un super film de guerre. J'ai même hésité, est-ce que je le garde, est-ce que je garde pas. Bon. Le steelbook, pour le coup, est vraiment super beau. Je vais vous le remontrer vite fait. Voilà. J'aime beaucoup le steelbook que je trouve super bien réalisé avec cet effet de marque qu'on voit ici, qui en fait n'en sont pas, hein, comme on peut le voir ici sur les côtés. J'aime beaucoup le steelbook et puis en plus c'est la version anglaise du Blu-ray. Donc il n'y a pas du tout de version française. Donc pour le revendre je vais galérer ou alors je vais le revendre une misère. Donc je pense que je vais le garder parce que ça reste un film de guerre, que j'aime bien ça. Donc ça sera dans ma collection film de guerre. Pour parler vite fait de la qualité, donc il y a deux disques. Hein, lors de mon déballage, je l'avais montré. Il y a un disque avec marqué Main Feature et l'autre c'est Extended Main Feature. Donc au début, j'ai un peu buggé, mais Features en fait, c'est le film, c'est ce qu'il montre. Et donc il y a la version longue, comme j'ai dit, que j'ai vue de 2h25 et sur l'autre c'est 2h15. Niveau qualité, vraiment pas terrible. C'est-à-dire que. Pour un Blu-ray, on s'attend à mieux. J'avais l'impression de regarder, surtout au début où il y avait des scènes à un moment donné, même une scène fixe, tu voyais la caméra qui branlait un peu, c'était un peu bizarre. Donc, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un DVD. Donc, c'était pas top. Ça s'est amélioré un petit peu vers le milieu et tout la fin du film. C'est propre, hein, c'est pas dégueulasse. Il n'y a pas de grain, et il n'y a pas de grain sale.
mais c'est un peu flou, c'est un peu, on dirait vraiment un DVD, c'est ça qui est bizarre. Donc au niveau qualité du film, il est vraiment pas top pour le coup. Donc voilà, bon, ben, c'était mon avis sur The Eagle Has Landed. Voilà, c'était donc mes avis sur avis en deux mots. C'était mes opinions, mes avis sur ces trois films. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie ou pas de les regarder. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!